Voilà, la famille, une fois encore, salutations fraternelles à tout le monde, surtout les Guinéens, peuple de Guinée. Voilà, les bonbons politiciens, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous là, hein? Pendant 11 ans, M. Alpha Condé est en Guinée, il est au pouvoir ici. Il est au pouvoir ici en Guinée. Tu ne sentais même pas s'il y a l'homme ici en Guinée. S'il y a l'homme ici en Guinée, en tout cas, Mounta Makoulou, pendant 11 ans, le vieux est en pouvoir, il n'y a pas l'homme ici, en Guinée. Tout le monde a fui, tout le monde a pris son petit avion, voilà. Asikawa Masikafé Dendere. Birin, aura politicien Birin, all. Birin Kelineb aura population Goumabé. Ara sen de sympathiser Roumabé parce que accès de voyage n'est pas ce que vous yo, c'est maintenant que Koro. Non, si vous ne faites pas attention, on va ramener Koro encore juste pour une minute. Juste pour une minute. Parce que vous là, c'est foutaise. Ici en Guinée, on n'a qu'un seul opposant, un seul politicien, voilà, qui s'appelle, et là c'est Ludel Ngallo. Je ne suis pas griot, sinon j'allais faire Atalaku pour Kotosello. Voilà, mais malheureusement, je ne suis pas griot. Donc, les griots, voilà, c'est eux qui fabriquent les fausses histoires de Romeri Roumé. Il fallait bimba kelerbe. Et nous, on n'est pas des griots. On dit la vérité, tout simplement. Voilà, on a vu ici Kotosello pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il dit net. Il dit net, c'est ça qu'on appelle un politicien. Mais c'est pas vous les bonbons politiciens, voilà, qui cherchent à remplir leur poche, leur intérêt. Voilà, vous comprenez, non? Donc, essayez de respecter les grands hommes ici en Guinée. Essayez de respecter les grands hommes ici en Guinée. Hein? On a vu la CNT tout récemment là. Comment elle s'appelle? Ouais, c'était la CNT. On a vu la CNT tout récemment. Et les petits politiciens, les petits partis même du pays, les petits partis du pays qui tapaient ses poitrines comme ça, vous avez foutu quoi ici en Guinée? Oh, Monsieur Rababi, ceci. Oh, Monsieur Rababi, la Guinée, ceci. Vous n'avez rien foutu ici en Guinée. Rien. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la gueule de parler que la Guinée. Hey, il faut respecter normalement vous les petits politiciens là, les bonbons politiciens là. Normalement, avant de parler, il faut consulter d'abord et là c'est Ludel Ngallo. Allez-y. Voilà, discuter dans la même table. Wa fala bet we koto ginara. Il va vous guider parce que il y a certaines personnes, ils pensent que oui, nous quand on parle ici, ouais, UFDG nous a tout donné, rien. Moi, je m'en fous de UFDG, l'heure fédérale ou bien bureau, je m'en bats les couilles. Dans mon problème, moi, je soutiens, c'est Ludel et son parti. Donc, le problème de fédéral ou bien je ne sais pas quoi, c'est pas mon game ça. Ça, c'est pas mon problème ça. Il y a le bureau fédéral ou bien je ne sais pas bureau quoi. Bon, c'est l'engage que eux. Voilà. Moi, aujourd'hui, je soutiens ce Ludel. Quand demain, le jour où il va arriver au pouvoir et que c'est le déconne et que c'est Ludel fait comme M. Alpha Condé le colis, voilà, je peux parler encore sur ce Ludel. Je peux dire à Koto, non, Koto, moi, j'ai pas, non, je ne peux pas avaler cette hausse-là. Voilà. C'est pas à cause d'argent, c'est pas à cause de manque de quoi, non. Voilà, c'est pas ça. Moi, je fais en tant qu'un patriote guinéen, parce que c'est mon droit de soutenir. C'est mon droit de soutenir. Et puis, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est un Waliou. Celui-là, il est Waliou. Prenez l'exemple sur le cas de Dadis. Oui, 28 septembre, celui-là, il a été blessé sur sa tête. Hein? Notre tonton, capitaine Moussa Dadis, il a été blessé ici devant les Guinéens. Il a été blessé ici devant les Guinéens. Regardez,
quand Alpha Condé a séquestré Cellule de Ngianlo en 2020, en 2021, qui est séquestré aujourd'hui? Ce n'est pas Alpha Condé. C'est ça qu'on appelle un Waliou. Oui. Cellule de n'a jamais fait son palable. Jamais. Il n'a jamais fait son palable. Il n'a jamais fait son palable. C'est Dieu seul qui fait son palable. Le monsieur là, oui, on le minimise aujourd'hui parce que tout simplement, il est peul, il est soussou, c'est fini. C'est fini. Sinon, il n'y a pas l'homme ici, en Guinée. Élection là, il n'y a pas l'homme ici. Un coup KO. Un coup KO. C'est mon nana. Voilà, les petits soussous qui viennent dans mon inbox comme ça, ouais. Essayez de soutenir les soussous, essayez de soutenir les cas de soussous. Vous êtes malade. Vous là, vous êtes malade. Essayez de soutenir les cas de soussous. Il faut respecter les hommes ici. Il faut respecter les hommes aussi. Hein? Nous, quand on soutient ces loudelles-là, mon fatar pian, vos cadres ont soutenu Alpha Condé ici. Ils ont soutenu le colis ici. Ils ont humilié votre communauté à cause du colis ici. On a vu les Abouaka Marissa ici. Abouaka Marissa, le directeur de l'impôt, qui disent que non, on t'a moqué ma colis Rambo. Non, t'as un colis, voilà, colis Rafé, Atéri Kagouriki, qu'il ne va jamais abandonner le colis. Abouaka Marissa, votre directeur de l'impôt. Il est soussou de père et mère, de Tormelin, de Fria. Il a trompé les soussous. Trompé les soussous en soutenant M. Alpha Condé. Puis vous voulez que nous, les enfants, nous fassions quoi? Montanga Miseraba. Et puis, lui, il a soutenu M. Alpha Condé. Dès que tu parles seulement en tant qu'un fils soussou, directement, on te met en prison. C'est Abouaka Marissa qui a fait ça. Abouaka Marissa, il a fait ça. Mais le jour de l'investiture de son excellence colonel Mamadi Doumbouya, on a vu le monsieur, on a vu la même personne qui est Abouaka Marissa dans l'investiture de son excellence colonel Mamadi Doumbouya. On lui a vu. Donc on vous parle de quoi? Donc aussi nous autres là, nous les enfants, c'est pas à nous de soutenir. C'est pas à nous de soutenir les cadres, c'est eux-mêmes qui devraient se soutenir d'abord. Parce que nous, en tant qu'un petit soussou, moi je n'ai rien. Comment je peux soutenir? Comment? Ceux qui ont des millions de dollars, des milliards en francs guinéens, ils n'ont pas arrivé de vous soutenir. Ils vous ont tous humilié ici, devant les autres ici. Vous pensez que les autres... Et le parti des autres, vous pensez que pourquoi ils n'ont pas confiance à les soussous? Parce que les cas de soussous, ils ont humilié les soussous ici. C'est eux qui ont commencé à acheter les sacs de riz. Ils n'ont pas ce soussous. Les Abouaka Marissa, les Baïdi Aribou, les Malik Sankong, les Kredi Bangoura, comment ils s'appellent? Eginadi Relidi, débuté de Corona, comment ils s'appellent? Zenabo Kamara de Boufa, Asigahan jusqu'à Boufa, Azabofa Kemagdaro, pom 20 mètres, et puis Wurela Madi Sari, soit disant que ouais, Aura Vout, Alpha Kondebe, Toa Muntanga Miserba. Nous, les pauvres, vous voulez que nous fassions quoi? C'est eux qui devraient nous montrer le chemin d'abord. C'est eux, les cadres soussous, qui devraient nous montrer le chemin. Il fallait que Wadoumé Osigame Ekine. Mais eux-mêmes, ils ne se respectent pas entre eux. Tout le monde a besoin de défendre son intérêt personnel, l'intérêt égoïsme. Et vous voulez que nous les enfants, on fasse quoi? Donc aussi, nous, les enfants aussi, on a décidé volontairement de soutenir UFDG avec son président. Laissez-nous soutenir notre président. Arrêtez de nous embêter. Arrêtez de nous embrouiller. Soit disant que ouais, voilà ma queue, voilà ceci. Moi, je suis plus ceci. Nga ceci, mba ceci. Nga suma, mba bangua. Qui est plus ceci que moi? Entre vous, les ceci qui viennent parler dans mon inbox là.
nda suma mba 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 bangua otanu nda ndera soso ya dengi ndera soso ya dengi. Donc il faut respecter les gens. Vous avez vu vos cadres ici, vos cadres sous-sous. Parce que comme nous, je comprends, comme nous on est pauvres, nous on ne peut pas donner 200 000, 300 000. C'est pourquoi vous voulez nous insulter comme ça? Non, mais il faut nous respecter, il faut respecter notre opinion quand même. Il faut respecter notre opinion quand même. Nega, I don't give a fuck, man. I don't give a fuck, never. Il faut nous respecter quand même. Il faut nous respecter quand même. Parce que nous, on ne peut pas vous donner 200, 300 000 francs. On a vu vos cadres ici qui donnaient 200, 300, 400 000 francs à les jeunes susu ici pour soutenir le colis. Jusqu'à Boka Marissa a dit Wala rara wali rayon. Mise wali, amise wali, faut le banaran na yomma. Mise wali. Tout ça pour tromper les susu. Tout ça pour tromper les susu. Donc, si nous on parle là, laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Donc, nous, moi personnellement, je ne peux pas généraliser tout. Moi personnellement, je vous ai toujours dit, si un membre de UFDG ou bien le bureau fédéral de UFDG m'a donné quelque chose, wallahi billahi, wallahi walrouanement, moussi nunga kelabe, demandez le bureau, il n'a qu'à vous montrer quelque chose qu'il m'a donné. Ils m'ont rien donné. Moi, j'ai tout simplement soutenu Seloud Alem parce que j'ai vu, il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Il est le seul opposant ici, ouais, qui nous a consolés pendant le moment difficile. Il n'a pas pris son avion, nous laisser dans la merde. Mais les autres politiciens, ils ont tous fui ici en Guinée. Ebiregine, c'est cette confiance que moi je suis, c'est Ludel Ngallo, si vous ne connaissez pas. En ce moment, je n'étais pas en Guinée, j'étais en Israël. J'étais en Israël, mais j'ai vu les choses que, oui, les coups que réellement, vraiment, c'est Ludel a tenu pour les enfants de la Guinée, pour les Guinéens. Donc aussi, nous les autres aussi, on soutient Seloud Alem Diallo. Ce n'est pas à cause d'argent. I don't give a fuck. Money, fuck them. Moutangaï mouna aura money, ma aura lassi, aura lassi, politicien, aura lassi, c'est un bon boclot, frère. Et moi, c'est un film, ma mouna ranso, toi, mais il m'a da fuck, aura kobi, c'est un ma da fuck, frère, il est un politicien. Et un qui m'a da ngasong rati, aura kobi, c'est un ma aura famille bon boclot, frère. On a ma gouna merina nantana. Moi, je suis un jeune très pauvre. Moi, je n'ai rien. Il y a les personnes même qui me donnent quelque chose à manger. Moi, je n'ai pas honte de ça. Il y a les bonnes personnes, il y a les belles relations qui me donnent quelque chose à manger. Oui, mais ce n'est pas UFDG, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Politiquement là, chacun a son voilà, point d'interrogation. Donc, arrêtez de nous embêter ici, vous les bonbons politiciens qui viennent dire que ouais, bête, bégouré. Voilà. Nous, en tout cas, on ne parle plus de RPG parce que RPG est mort. Comme les RPGistes, ils sont cervelés. Consciencieusement, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi ils continuent de regarder leurs blogueurs, leurs communicants. Regardez les communicants de RPG. Ils peuvent faire la vidéo pendant 6 vidéos par jour, jusqu'à 7 vidéos par jour. Et les RPGistes ne prennent même pas la peine à comprendre que oui, est-ce que ce que le petit dit est vrai, ce qu'ils disent c'est faux. On a vu le petit Momodou ici, ouais, qui passe à toute sa journée en train de faire la vidéo. Les RPGistes, soi-disant que ouais, le pitch a peur, le colonel, voilà, je ne sais pas quoi. Chaque fois, Kweniba, Hankwera, c'est les RPGistes seulement que tu vois. Urgent. Mamadi Doumbouya a fait comme ça. Seulement les RPGistes. Nous, on est tranquille ici en Guinée. Tranquille. Il n'y a rien. Tout va bien ici en Guinée.
Alhamdulillah, tout va bien ici en Guinée. Tout va bien ici en Guinée. Mais, Kouéniba, quoi n'a-t-il pas urgent. Mamadi Doumbouya a peur. Mamadi Doumbouya a fait comme ça. Et les jeunes guinéens, la jeunesse guinéenne au moins, si vous acceptez que Colonel Mamadi Doumbouya tombe, c'est toute une génération qui est tombée. Vous avez vu le travail que le colonel est en train de faire pour nous, la jeunesse guinéenne. Tout ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui, il ne fait pas pour lui. Quant à le colonel Mamadi Doumbouya, alhamdoulilah, sa vie est faite. Il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Mais tout ce que le colonel est en train de faire pour nous, il fait pour la jeunesse guinéenne. Parce que c'est la jeunesse guinéenne qui a tant souffert de l'injustice, de je ne sais pas comment je peux dire ça. On est assoiffé de la justice, la jeunesse guinéenne. On a vu combien de jeunes qui ont été employés depuis le temps de feu Ahmed Sékou Touré jusqu'à le temps de général Konaté. Ce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait, personne n'a pu relever le défi là, personne. Avec combien de mille jeunes employés, embauchés, c'est les RPGistes qui vont se flanquer à l'extérieur, soi-disant que ouais, urgent, Mamadi Doumbouya comme ça, Mamadi Doumbouya, fuck them, firebond, sagamana godomo, urgent. Urgent. Votre problème, c'est celle-là. Votre petit problème, c'est celle-là. Dès que celle-là vient à gauche, ouais, c'est celle-là. Dès qu'il vient à droite, c'est celle-là. N'essayez pas de chercher un leader dans votre parti. Bientôt les élections. En 2 ans, il y aura des élections ici en Guinée. Assoyez-vous, vous allez continuer comme ça à discuter bêtement. Et puis, RPG, c'est moi, nous aura vidéo partagée dans Woulekoui. Donc, les petits, les bonbons politiciens là, mettez l'eau dans vos veines. Alpha Condé a dit ici que c'est les femmes qui ont contribué Al-Kouara, élection participée pour les 800 millions. Donc cette fois-ci, là, nous les jeunes, c'est la jeunesse même qui vont contribuer pour ces loups. C'est la jeunesse guinéenne même qui vont contribuer pour ces loups d'Alain-là. Ouais. C'est la jeunesse guinéenne même qui va contribuer pour lui. Parce qu'on a vu ici, le colis a dit que, vous voyez, que c'est les femmes qui ont contribué pour moi. Dans le mensonge, blood clot. Moi, j'ai ma oulé à te faladi. On ira si ma ya berma. Coli, moi, j'ai ma oulé faladi. Y'a non rassi ma ya bi. Donc, la famille, autant n'a rien fait à qui, on nous fait mon gonyorono, orana sende. Racisme ouaini, communautarisme ouaini, alebe. On a ba montan kobe, montan mouna menere. Si vous voulez réellement parler de pouvoir, c'était au temps de M. Alpha Condé. Parce que le temps de M. Alpha Condé, on a vu ici, on a vu vos propres cadres, les cadres sous-sous, qui emprisonnent les sous-sous, les jeunes sous-sous. Dès que tu te fais activiste, dès que tu te fais, tu communiques seulement, non, pour un troisième mandat, ta place est en prison. Ils ont emprisonné combien de soussous devant vous ici? Est-ce que les soussous, vous avez parlé ici? Les petits soussous, pas la communauté soussous. Je m'adresse à les petits soussous qui viennent me dire que non, il ne faut pas soutenir ces loups. Quand ces loups d'Alain vient au pouvoir, ils sont récamés. Hein? Vous avez pris 200, 300 000 avec les autres. Vous avez soutenu le colis. Donc, vous ne voulez pas que nous, les autres, on va soutenir Aflamadi, Koto. Hein? Vous connaissez. Où est-ce que vous êtes?
nous à la wo mko dokolo wo be kotora koto c'est un walio, je vous répète, c'est un walio. L'autre a blessé sa tête, il a été blessé ici. L'autre a séquestré Koto, il a été séquestré aussi. Donc arrêtez de jouer avec Koto. Arrêtez de jouer avec Koto. Voilà. On a level maintenant. Donc cette fois-ci là, les élections, c'est un coup chaos parce qu'il n'y a pas un politicien ici. PDN, Nababouayima. Comment il s'appelle? UFR, Nababouayima. Comment il s'appelle? Le parti là, Nyamba Nemuna parti Bourriangaliwa. Il n'y a pas match ici en Guinée. Un coup KO et puis coup fatal. Attends. Il y a un kotokolo, Ngibiasi. Élection na lima mon kota te malabine, labi. Résultat, ça m'a dori. Ça fait 15 ans que nous avons 15 ans que nous avons fait ta. Regardez-moi les jaloux comme ça là. Matou Ronori. Donc, la famille, voilà. Restez sereine et calme. Voilà. Donc, maintenant, les Africains ici, surtout les Guinéens, ils ont pris la politique comme des ethnies. Dès qu'un peuple fait quelque chose, ils disent que oui, c'est UFDG. Dès que un Malinké fait quelque chose, il dit que oui, c'est RPG. Donc, il ne faut pas tomber dans le jeu là. Voilà. Il ne faut pas tomber dans le jeu là. Il y a le parti politique, il y a la communauté. Le parti politique n'égale pas à une communauté en Guinée. On peut faire notre politique tranquillement. La communauté n'a rien à voir dans la politique. Donc, essayez de respecter les différentes communautés en Guinée, essayez de respecter les sages, essayez de respecter les grands hommes ici en Guinée. Donc la famille,